Bonjour, je m'appelle Nadine Momi. J'ai créé ce jardin qui s'appelle les Gargalous en 2003. Enfin, j'ai commencé à planter en 2003. Les Gargalous, je reviens un petit peu sur ce nom étrange qui en fait se prononce Gargalou. Ou dans l'Indre, ils disent gargaillant. En fait, c'est le fruit du cynorhodon, c'est-à-dire le fruit de l'églantier plutôt. Donc le cynorhodon. Et comme mon jardin est quand même dédié aux roses, j'ai pensé me rapprocher des roses sans vraiment les nommer. Et bon, c'était la solution. Ce jardin est situé à Fresselines, enfin sur la commune de Fresselines, au lieu dit Châtre. C'est surtout un jardin naturel déjà, donc très peu de désherbage. En même temps, certes, ça fait un peu fouillis, mais d'un autre côté, ça évite les arrosages. D'une part, ma terre garde l'eau, j'ai cette chance, mais par ailleurs, le fait de laisser les mauvaises herbes ou herbes folles dans les massifs permet de protéger les plantes qui y sont installées. J'ai une collection de roses, un peu plus de 270 espèces différentes. Cette collection, je lui ai adjoint des arbustes de collection, des raretés en fait. Pour résumer un petit peu, à mon sens, à mon avis, le jardin des Gargalous, on va le prononcer à l'occitane, hein, c'est naturel, rareté et diversité.